tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym pour le quatrième chapitre de ce dossier consacré aux erreurs les plus fréquemment commises en salle. Erreurs qui, je vous le rappelle, si elles ne sont pas corrigées, risquent non seulement de ralentir considérablement votre progression, mais également vous mener à une éventuelle blessure. Alors aujourd'hui, les épaules sont à l'honneur, et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer le ce programme. A tout de suite. Première erreur et incontestablement une des plus commises, en l'occurrence lors des élévations latérales, ne pas initier correctement le mouvement. En effet, un bon nombre de pratiquants ont tendance à amorcer cet exercice en se focalisant sur l'élévation de la main, ce qui donne ceci, des mains qui surplombent littéralement les coudes. Sachez que vous passez à côté de l'objectif de travail, car je vous rappelle que pour vous assurer une bonne sollicitation du faisceau latéral, vos élévations devront être inéluctablement initiées par la montée de vos coudes, les coudes qui devront être d'ailleurs les points culminants du mouvement. Donc mon conseil, faites abstraction de vos avant-bras, vos mains sont là uniquement en guise de crochet, et concentrez-vous uniquement sur la montée des coudes. Deuxième erreur que je vois très souvent en salle, commise cette fois-ci lors des développés, ne placez pas vos coudes dans l'alignement de vos épaules. En effet, cette position va favoriser non seulement des frottements, mais également des pincements au niveau de la coiffe des rotateurs qui peuvent mener à d'éventuelles blessures. Placez plutôt vos coudes légèrement vers l'avant, et ceci pour une principale raison. C'est que le socket, l'emplacement dans lequel va se loger la tête humérale, n'est pas placé directement sur les côtés, mais légèrement vers l'avant. Voilà pourquoi cette très légère orientation des coudes vers l'intérieur va nous assurer que cette tête humérale sera parfaitement logée dans son emplacement, évitant ainsi tout risque de frottement, mais également de conflit avec la coiffe des rotateurs, ce qui vous permettra de pouvoir forcer confortablement sans risque de blessure. Troisième erreur commise cette fois-ci lors des mouvements d'arrière d'épaule, n'utilisez surtout pas vos trapèzes. En effet, un bon nombre de pratiquants ont tendance durant ces exercices, notamment lors de la phase concentrique, à effectuer une adduction des omoplates, c'est-à-dire le fait de serrer les omoplates, ce qui va d'un côté augmenter la participation au mouvement des trapèzes moyens, et d'un autre, vous l'aurez compris, de réduire considérablement la tension imprimée sur l'arrière de vos épaules. Donc mon conseil, veillez durant cette phase concentrique à désengager vos trapèzes en évitant au maximum de serrer les omoplates. Et pour les personnes qui, malgré tous les efforts du monde, n'y arrivent pas, je vous conseille de réduire sensiblement l'amplitude de travail. Quatrième erreur, on revient du côté des élévations latérales, erreur qu'on a tous déjà commis au moins une fois. Lors des élévations, ne montez pas trop haut vos bras, et ceci pour deux raisons. La première, c'est que cela risque d'occasionner des pincements au niveau de la coiffe des rotateurs. La deuxième, c'est que cela n'améliorera pas le recrutement du faisceau latéral, puisqu'au-delà de la ligne d'épaule, ce seront vos trapèzes supérieurs qui vont prendre le relais, qui seront davantage sollicités. Donc mon conseil, c'est que pour travailler la largeur d'épaule, effectuez vos élévations jusqu'à la ligne d'épaule. Cinquième erreur, ne faites plus de développé nuque. Je sais que certains coachs s'efforcent encore à vous vendre le bébé. Moi, je vous le déconseille totalement, et ceci pour plusieurs raisons. Première raison, qui rejoint d'ailleurs la deuxième erreur, c'est que le développé nuque, de par la position de vos bras et la charge utilisée, va occasionner des frottements, mais également des pincements au niveau de la coiffe des rotateurs, pouvant mener à de sérieuses blessures. Deuxième raison, c'est que le développé nuque par rapport à un développé militaire, c'est-à-dire devant, va vous offrir une amplitude de travail qui sera inférieure, puisque généralement, on vous conseillera de descendre jusqu'aux oreilles. Et enfin, cerise sur le gâteau, c'est que lors du développé nuque, vous allez utiliser beaucoup moins de charge que si vous faisiez du développé militaire. Donc en conclusion, que ce soit d'un point de vue musculaire, d'un point de vue performance, ou simplement pour préserver la santé de vos épaules, vous n'avez absolument aucun intérêt à effectuer du développé nuque, préférez-lui largement le développé militaire. Sixième erreur, ne négligez pas le travail de la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, ce sont ces quatre muscles qui font office de ligament actif, chapeautant l'articulation de l'épaule, articulation qui, je vous le rappelle, est mobile. Donc les renforcer va tendre justement à accroître cette stabilité articulaire, en un mot, à avoir une épaule plus forte. Ce qui va contribuer d'un côté à vous prémunir d'éventuelles blessures et d'un autre à améliorer vos performances. Donc mon conseil, c'est qu'en fin de séance épaule, ou alors d'une autre séance, tâchez d'allouer un travail spécifique à cette coiffe des rotateurs par le biais d'exercices comme le L-fly à la poulie, ou alors le L-fly aux haltères, ou les rotations cubaines, ou alors les rotations internes, enfin bref, j'en passe. D'ailleurs, ils ont tous été traités par la chaîne. Gardez à l'esprit que même si ces derniers ne sont pas des muscles esthétiques, les renforcer va justement contribuer à ce que vous puissiez vous forger un meilleur physique, mais également éviter de vous blesser, les blessures à l'épaule étant légion. Septième erreur, ne réalisez pas vos exercices d'isolation uniquement aux haltères.
Alors en effet, les haltères nous permettent par rapport à la poulie hein, de manipuler plus de charges, mais d'un autre côté, nous offrent un temps de mise sous tension assez inégal, hein, puisque cette tension sera quasiment inexistante en fin de phase excentrique, sans compter le manque cruel d'étirements musculaires. Donc mon conseil, c'est que si vous en avez la possibilité, tâchez de les effectuer à la poulie. La poulie qui va non seulement nous offrir cette tension continue, mais également la possibilité hein, sur la phase excentrique d'étirer vos épaules, sachant hein, que l'étirement est une composante importante d'une bonne stimulation musculaire. Huitième erreur, issue d'un constat assez flagrant, ne négligez pas le travail de l'arrière d'épaule. En effet, hein, je vois beaucoup de pratiquants effectuer des séances épaules composées d'un mouvement de développé, d'élévation frontale et d'élévation latérale, occultant complètement l'arrière d'épaule. Donc vous l'aurez compris, ce type de séance ne mène qu'à une chose, à une disproportion des épaules. Disproportion liée à un sous-développement de l'arrière, mais également à un surdéveloppement de l'avant, puisque vos deltoïdes antérieurs seront non seulement sursollicités durant vos séances épaules, mais également sollicités durant vos séances pectoraux. Et cette disproportion va avoir plusieurs conséquences. La première, elle est d'ordre esthétique. Ça ne sera pas terrible, vous ne pourrez pas afficher cette épaule bien ronde, cette épaule bien pleine. La deuxième, c'est que cette disproportion risque d'occasionner des troubles articulaires, voire l'apparition de problèmes posturaux avec ces fameuses épaules en avant. Donc mon conseil, tâchez d'intégrer au grand minimum un exercice d'arrière d'épaule, voire même deux en fonction du retard de vos deltoïdes postérieurs, le deuxième pouvant aisément remplacer les élévations frontales. Et en plus, entre l'oiseau aux haltères, l'oiseau à la machine, le tirage poulie basse prise large, le face pull et j'en passe, vous aurez amplement le choix. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les erreurs à absolument éviter durant le travail des épaules. La prochaine fois, on abordera le cas des triceps. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr hein, si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis, hein, Prozis qui vous offre moins 10% de réduction sur chacune de vos commandes et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Et enfin, je remercie mon sponsor Inici. Inici qui est une société hein, qui développe des applications mobiles de coaching ultra personnalisables et sous abonnement. Pour de plus amples informations, vous aurez le lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, hein, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de très bonnes vacances. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis, ciao. Salut.